Salut Hélène, ça va? Bon. Ah, une livraison de vin, où ça? La Roque de Fa. Je vais à le 4 livrer Toucan, d'accord. Ok, d'accord, je passe prendre le stagiaire. Hein. Salut! Salut Gérard, ça va? Ça va. Hélène m'a appelé, ta livraison elle est prête, elle est là. Ok, bon, je file, que j'ai de la route à faire. Hein. Mais bonne route, Gérard. Salut. Je dois venir chercher un stagiaire, un nouveau stagiaire, tu sais pas où il est? Oui, donc il est en train de boire le café. Merci. Oui, je disais, oui, pour une solution. C'est la défense. Ah, c'est toi le nouveau stagiaire? Oui. Bonjour. Bien, je vais te faire ta connaissance. Je vais te faire visiter le site et puis en même temps, on va livrer du vin. Suis-moi. Salut Jean. Salut Gérard. Comment vas-tu? Eh bien, mon frère, je vais livrer du vin aujourd'hui. Là. Ah. Voilà, quoi, je te présente Stéphane, le stagiaire qui... Enchanté. Qui vient découvrir le site. Hein. Vous avez la chance aujourd'hui, vous avez du beau temps. Eh bien, mon frère, tant mieux. Hein. Bon, allez, j'ai de la route à faire. Allez, hein. Bonne route, Gérard. Salut. Eh, Gérard, cet été, je me suis inscrit à la grillade. Eh bien, c'est bien parce que moi, tu sais, je ne pouvais pas y venir. Hein. J'ai de la route à faire. Hein. Bon, écoute, on va s'arrêter à la serre. Hein. Je vais aller voir Bruno, lui me dira où c'est qu'il y a Toucan. Hein. Je ne connais même pas son adresse, je ne sais même pas où il habite. Lui me dira où il est. Hein. Salut. Salut. Voilà. Dis, je cherche Bruno. Je dois livrer Toucan. Je connais pas ce type. Je sais pas où c'est qu'il habite. Hein. Bruno, lui, pourrait me dire où il est. Hein. Il travaille sur l'avenue à l'église. Ou sinon, ce sont sur d'autres équipes. Hein. Bon, d'accord. Sur l'avenue, quoi. Oui, oui. Ok, salut. Salut. Tu vois cette grande allée là? Putain, t'as vu comme elle est jolie? Oh misère, à mon époque c'était pas ça. Il n'y avait rien, il n'y avait que du limon. Il était envahi par les inondations. Et là-bas, derrière, que tu vois là-bas, ce rond-point, je l'ai vu se bâtir. Et à l'autre bout là-bas, l'étang, il faisait des élevages de crevettes. Hein. Des crevettes? Eh oui, seulement comme il n'y avait plus de. Comme ça rapportait pas, ils ont laissé tomber. C'est quoi ça? Ça c'est la grande église qui domine tout le site pour le 4, hein, tu vois. Maintenant c'est comme ça qu'ils les font, grande et moderne. Hein. Tu veux pas un chewing-gum? Oh, t'as raison, non, le chewing-gum non, mais t'as raison de toute façon, tôt ou tard il va bien falloir que j'arrête le fumier. Salut. Salut. Ça va Gigi? Ça va et toi? Ça va.
Tu te souviens du parking qu'il y avait là avant? Et ça a drôlement changé depuis, parce qu'avant, je me souviens, c'était un gros terre-plein. Tu verrais le nombre de tuyaux d'irrigation qu'on y a mis. Je te crois, hein, ça n'a pas dû rigoler, hein, ça n'a pas dû être dans la tarte. Hein. On n'a pas fini de prendre les coups de soleil. Hein. Ah, mais ça, mon pauvre, il faut bien qu'il fasse canicule, sinon on se plaint de rien. Bon, heureusement qu'on fait les horaires d'été. Hein. Et ouais, sinon on ne tiendrait plus. Bon, où c'est qu'il y a Bruno là? Il est derrière. Merci, allez, salut. À plaisir, ciao. Dis, ça fait un moment que je te cherche et j'arrivais pas à t'avoir. Ça fait un moment que je te cherche parce que je dois livrer du vin chez Toucan. Je connais pas ce type, je connais pas son adresse. Est-ce que tu pourrais me dire où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il habite, hein? Alors, tu connais pas ce monsieur Toucan? Non. Bon, bah, tu vas le trouver, il est au troisième rond-point sur la droite. Je peux pas le louper. Ok, allez, merci et salut. Allez. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous pouvez voir le directeur s'il vous plaît? Il est juste au coin là-bas. Merci. Ah, bonjour, c'est vous monsieur Toucan? Non, le restaurant c'est le Toucan. Oh. Moi c'est Maurice. Je suis désolé, je viens pour vous livrer le vin là. D'accord. Mais la réserve est juste derrière, vous me suivez? Oui, oui, oui. C'est pas n'importe quoi. Et que c'est pas non plus de la tarte et que c'est pas n'importe quoi.